Amis Vierges, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 août 2024. J'espère que vous allez bien les Vierges. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, hein, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous avez certains points communs hein, parfois dans un laps de temps, mais par contre, voilà, vous n'avez pas tous la même vie, ça ne parlera pas à tout le monde du début jusqu'à la fin. Donc vous prenez que si ça résonne en vous, pourquoi pas certains messages. Si ça ne résonne pas du tout, vous laissez tomber, d'accord? Vous ne prenez pas la tête. Dans ce cas-là, vous pouvez regarder votre signe ascendant, hein, ça arrive hein, parfois que l'ascendant nous parle le plus. Il y en a qui regardent aussi leur signe lunaire, hein, qui regardent les trois. Okay. Chacun fait comme ça lui plaît. Bon, alors, on va regarder à peu près l'énergie que... Alors, ça reste de l'énergie, hein. Comme je dis, ça ne commence pas le premier, ça ne finit pas le 15 août. C'est tout simplement, voilà, c'est un peu l'évolution possible hein, que je vais capter. Ça serait presque une vidéo sans... intemporel, puisque du 1er au 15 août, c'est les dates des vidéos. Maintenant, l'énergie, souvent, on est en plein dedans. Après, le reste, comme j'utilise beaucoup d'oracles, c'est plus une projection, d'accord? Donc, ça passe passer du 1er et finir le 15, voilà. Bon, c'est une projection possible. Allez, c'est parti. Donc, on va déjà regarder dans quelle énergie vous êtes. Alors, bienvenue déjà à vous, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne. Il n'y a pas de hasard, hein. C'est peut-être que vous avez des messages à entendre. Donc soyez pas étonnés, je fais les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Et voilà, je vous retrouve pour vous dire tout ce que j'ai vu. Et puis, si, petite parenthèse, parce que j'avais quelque chose à vous dire pour la prochaine fois, je vous promets pas mal de nouveautés. J'ai fait pas mal d'achats. Et donc, voilà, j'aurai un nouvel oracle à vous proposer, 4 nouvel oracles, pardon. Un sentimental, j'aurai très complet, j'aurai un professionnel qui a l'air très très sympa. Et j'ai un oracle de la santé, un oracle de la justice. Donc, on verra comment je vais faire tout ça. Peut-être qu'il y aura un tirage au choix à la fin, c'est possible. En tout cas, pour les prochaines vidéos, je vous promets de la nouveauté. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder donc dans quelle énergie vous allez, hein, mi-vierge. Donc, déjà, bon, déjà, on parle de tout ce qui est finance et carrière, là. Bon, entre autres, pas que. Je vous explique. Bon, entre autres, bon, tout le monde a une énergie féminine ou masculine. Bon, là, on voit un homme qui tient une pièce de monnaie. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. D'accord? Bon, ça, vous le savez. Bon, pour les hommes, par exemple, mais c'est une façon de parler, on me dit que peut-être que, si c'est vous, en tout cas, on me dit que vous avez la volonté d'atteindre vos objectifs financiers, là, d'accord? Il y a peut-être de nouvelles occasions qui vous sont offertes pour vous. Il y a vraiment, on va se diriger vers le bonheur, là, d'accord? Vous avez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous êtes guidé par vos défunts, hein, on le voit, et vous êtes capable, vous allez dans la bonne direction, donc quoi qu'il arrive, pour une nouvelle vie. Peut-être un déménagement, quelque chose. Là, on est sur une voie karmique, de toute façon. Hein. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et vous allez pouvoir de créer le destin que vous désirez. Donc voilà, peut-être que c'est une proposition professionnelle, peut-être on vous propose une mutation, une augmentation. Enfin, voilà, on a le pouvoir de créer de belles choses, d'accord? Bon, on va dans de belles énergies. Alors, ça peut aussi nous parler quelque chose de sentimental, pourquoi pas? On parle aussi, ça peut être un collègue en face de vous, ça peut être un homme riche. Donc, il y a vraiment des possibilités, mais quoi qu'il arrive, on est sur la bonne direction et il y a une relation karmique, quelque chose de karmique. Bon. Donc, vous allez vraiment, quand on a la porte vers la guérison personnelle, bonheur, il n'y a pas d'entrave à ce que vous désirez, hein, que ce soit financier, professionnel, etc. Bon, de quoi on parle encore? Avec l'oracle de la forêt de Gaïa, qui reste aussi un oracle d'énergie, bon, c'est pareil, là, on dit qu'on a peur d'être dans l'illusion, on parle qu'il faut accepter vos émotions. Il est temps de vous confronter à vos peurs, hein, parce que peut-être voilà, vous avez peur, vous ne vous sentez pas capable, mais on me dit que vous allez retrouver une bonne santé, hein, un bien-être hein, sur vous. En tout cas, il va y avoir une chance à saisir à un moment dans votre vie. Donc, voilà, donc n'ayez aucune crainte, foncez, j'ai envie de vous dire, hein, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. On continue. De quoi on parle? Allez, on va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle un petit peu. Vous voyez, là aussi, hein, y a la guérison personnelle. Hein, donc,
On parle de peut-être d'un amour inconditionnel, d'accord? On parle de quelqu'un peut-être aussi, alors c'est vous, la personne en face de vous, on a peut-être des enfants, on est peut-être très protectrice, on a peut-être, ou très protecteur, pourquoi pas. On parle aussi de la capacité de pouvoir créer. Vous êtes capable de créer quelque chose, là, d'accord? On parle d'une... Voilà, si vous êtes dans une... Il y a une période là où on est en transition, c'est-à-dire... On a un espoir d'amélioration et il y a des choses qui se mettent en place. Il y a un chemin de guérison. Peut-être qu'il va falloir sacrifier certaines choses pour ouvrir de nouvelles opportunités. Vous voyez, on va vers un meilleur. D'accord? On me dit qu'il faut, pareil, hein, il va falloir suivre votre intuition parce qu'il y a un lien avec le monde spirituel. Donc certains ont peut-être le troisième œil, tout simplement. Donc écoutez votre clairvoyance. Ou tout simplement vous êtes guidé par vos défunts, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a peut-être une relation karmique. Bon, en tout cas, même si ça prend du temps, on me dit que, voilà, modérer les choses, mais pour moi, même si ça a pris un certain temps, ce que vous désirez de créer, que ce soit en amour sentimental, en amour professionnel, etc., on me dit qu'il y aura la dissipation du brouillard mental. Peut-être que c'est vous, peut-être la personne en face de vous, qui était complètement dans le brouillard mental. On me dit qu'il va y avoir, ça y est, une illumination, une solution sera trouvée. Le brouillard s'en va, hein, pour de nouvelles pensées positives. Pour moi, vous allez célébrer, entouré d'amis, une réussite. Hein, voilà, on va pouvoir profiter du moment présent. Pour moi, c'est une renaissance pour vous. Hein. Il y a vraiment voilà, quelque chose qui va, voilà, il y a quelque chose qui va se terminer pour... les choses vont s'accélérer d'ailleurs. Hein, et pour avoir des ambitions plus élevées, comme je vous ai dit, que ce soit professionnel, financier, ou tout ce que vous avez envie de créer, que ce soit sentimental aussi, pourquoi pas. Bon. Donc, on va, bah, de toute façon, avec l'oracle, avec la carte, comme je vous ai dit... d'énergie, la guérison personnelle et le bonheur, tout est possible. Hein. D'accord? De quoi on parle d'autre avec l'oracle des lumières d'Inanna? Bon. Voyez, on parle d'un lien karmique avec une personne peut-être qui a une famille, là. D'accord? On me dit on va entendre quelque chose. Alors, c'est soit quelque chose qu'on va vous dire, soit tout simplement, ça peut être une guidance aussi. Hein. Il y a quelque chose là qu'on entend et voilà, qui va vous guérir intérieurement. D'accord? Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose. On voit que vous allez vous élever. D'accord? Alors ça peut être pour une famille. Il y a une guérison sur une famille ou avec quelqu'un qui a une famille. Bon, on me dit que c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un peu. Voilà, on va vers. On sent qu'il y a une personne qui est un peu naïve. Là, on a envie voilà, de simplicité. Bon. On me dit qu'après avoir pris un certain recul, peut-être après avoir pris ses distances, on va vers une vérité. Il y a une vérité qui va éclater. On a envie de quelque chose d'authentique, de simple. Là, on sent quelqu'un qui est un peu dans la confusion, qui a besoin de... qui était un peu perdu, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a des nuages de la confusion. Les nuages vont partir, il y a une vérité qui sera dite, et on va pouvoir enfin se ressourcer. D'accord? Donc, si vous attendez votre hôte, peut-être qu'il est dans une famille, peut-être que c'est vous, peut-être que vous avez eu besoin de prendre de la hauteur par rapport à un lien familial. On me parle, en tout cas, qu'il y a, voilà, les choses vont être dites après un moment de confusion, tout simplement. Hein. Je continue. De quoi on me parle? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Hein. Bon, de quoi on me parle? On me dit qu'il y a quelqu'un qui a peut-être une rancune, là. Il y a une blessure un peu qui n'est pas cicatrisée. Hein. Ça peut être une blessure ancienne, une blessure liée au passé. Bon, on me dit que vous êtes dans une, par rapport à votre autre, vous êtes dans une union karmique. Alors, ça peut être flamme jumelle. Alors, ça peut être compliqué. Il y a peut-être que certains sont engagés. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est sacré, d'accord? Qu'on soit flamme jumelle ou pas. Bon, on me dit aussi que c'est quelqu'un qui s'est attardé sur... des petits moments d'affection, il y a eu des baisers, il y a eu des rapprochements, on s'attarde sur les attentions de l'autre, mais il y a peut-être quelqu'un, on a besoin de réconfort, on a besoin de tendresse, et pour ça, il y a quelqu'un qui doit reprendre son indépendance, sa liberté. Bon, il y a peut-être un de vous deux qui est engagé, j'ai l'impression que c'est plutôt votre autre, on me dit que l'univers travaille à vous réunir, hein, il y a vraiment des synchronicités, et à un moment, il y aura une chance pour vous, d'accord? Même si actuellement, on sent qu'il y a quelqu'un qui est dans l'inaction, dans sa petite zone de confort,
Lui, ça peut prendre du temps, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Peut-être qu'il y a une famille, hein, il y a peut-être un qui est engagé, qui a une famille. Et pour moi, il y a deux personnes qui devraient être unies. Quand on regarde avec un autre oracle, on me dit exactement la même chose. Enfin, la même chose. On me parle d'un souhait qui est réalisé. On me parle de quelque chose qu'on est guidé, là. Il y a quelque chose qui a, c'est une relation karmique. On a un lien avec l'univers. On me dit que si, voilà, la route, elle est pas, elle est sinueuse, hein, on a eu pas mal d'obstacles sur une route. Et pour moi, c'est des sentiments réciproques et il y aura une transformation assez magique sur votre relation avec la personne de votre cœur. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, on parle aussi dans vos affaires privées. Hein, on me dit bien qu'il y a quelqu'un avec qui on va pouvoir s'ancrer. On va retrouver de la stabilité, de la force. On me parle aussi que voilà, si on était dans la confusion, si on avait des nuages au-dessus de votre relation, ils commencent à disparaître, le soleil revient dans votre vie. Peut-être qu'il y a, il y a quelque chose qui doit se terminer pour ça, par contre, hein, il y a bien une fin. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est engagé et on parle de quelqu'un avec qui vous avez un lien. C'est possible que ça soit à distance. Vous avez peut-être un lien avec quelqu'un qui est à distance de vous, qui a une famille, qui est déjà engagé. Mais peut-être qu'il y a eu voilà, un certain recul, on est un peu, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, un peu dans le brouillard pour moi. Voilà, il y a des choses qui, voilà, on vous dit que vous êtes, vous allez vous retrouver, il y a une guérison en tout cas. Bon, voyez, on me dit bien que c'est une passion, hein, il faut, on voit qu'entre vous, c'est une passion. On me dit bien que, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de l'aide de ses amis, hein, pour... On voit qu'il y aura bien une séparation, si cette personne est engagée, ou si c'est vous hein, qui êtes engagé, puisque vous allez vous diriger vers, vers un amour véritable. D'accord? Donc c'est bien un amour véritable. On parle de quoi? Pour moi, il peut y avoir des déplacements prévus, peut-être que vous êtes à distance géographique avec cette personne. On me dit aussi que voilà, il y a peut-être une histoire du passé encore dans l'instant présent, une histoire inachevée qui peut vous procurer une douleur émotionnelle, peut-être une blessure d'humiliation. On me dit de vous adapter donc au rythme émotionnel de la personne de votre cœur. Si c'est quelqu'un qui est engagé, peut-être qu'il a du mal ou qu'elle a du mal à se désengager. Mais pourtant, on voit que c'est quelqu'un qui vous aime. On me parle de quelqu'un d'ailleurs qui vous trouve belle ou beau de l'intérieur ou de l'extérieur. On me parle que, voilà, par contre, c'est une relation secrète qui doit être dans la trahison. Peut-être que vous êtes déçu parce que c'est quelqu'un qui est en couple. C'est quelqu'un qui vous a fait la sérénade. Hein. On voit que c'est quelqu'un voilà, qui vous a dragué. Bon, maintenant, peut-être que... Le fait que cette personne ne soit pas totalement disponible, ça peut compliquer les choses pour vous. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, l'évolution possible, on dit bien qu'il y a une évolution secrète, donc il y a bien une relation secrète où ça évolue tout doucement, secrètement. On me dit bien que la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui peut se réorienter. On parle aussi peut-être de vous professionnellement aussi, hein, une réorientation, comme je vous l'ai dit. Une proposition financière, un nouveau poste, une augmentation, un poste plus valorisant. On me parle aussi que vous allez vous communiquer avec quelqu'un secrètement. Et c'est peut-être quelqu'un qui est dans le contrôle mental. C'est pour ça que pour le moment, ça n'évolue pas. C'est peut-être quelqu'un qui est bloqué hein, pour un avancement avec vous, pour voilà, qui a du mal à se désengager, par exemple, pour X raisons. Pour des raisons financières peut-être aussi. Bon, de quoi on parle? Alors, on va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Bon, on parle d'un homme plutôt blond, là, plutôt clair. Ça peut être vous, ça peut être une femme. Hein. On me dit qu'il y a une belle surprise, en tout cas, pour cette personne. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est déjà ancré, un homme brun, ou voilà. Bon, on parle de quelqu'un qui est ancré, mais qui se sent seul, d'accord? Pour moi, sur la solitude, on voit qu'il y a une réussite après, d'accord? On me dit que d'ici quelques temps, tout est encore possible. On me dit qu'on a pas mal de doutes et pas mal de réflexions par rapport à une séparation qui devrait se faire. On me dit qu'il y a bien quelqu'un qui vous aime en secret, il y a une relation secrète là, donc ça parle pas mal au triangulaire. On me dit que c'est quelqu'un qui vous fera une déclaration d'amour. On vous dit oui avec une personne brune, peut-être une femme, ou oui pour, si c'est vous, pour vous. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a peur, c'est pour ça qu'on est perdu, on est comme dans un labyrinthe, on cherche, on est en pleine réflexion. Hein. On me dit que la situation, elle semble bloquée, donc dans une situation qui semble vraiment bloquée, on a besoin de prendre du recul pour le moment sur la situation. Bon. Donc on sent quand même qu'on est en plein blocage. Hein. En même temps, vous êtes dans une relation karmique, ça prend du temps, s'il y en a un des deux qui est engagé. Mais voilà,
Il y a quand même quelque chose de beau qui devrait arriver pour vous. De quoi on parle encore? Vous voyez, dans la pensée de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui est perdu pour le moment, d'accord? C'est quelqu'un qui a peur, qui est un peu vulnérable, qui a peur de votre réaction, peut-être parce que c'est quelqu'un qui a du mal à se désengager ou à s'engager. On parle aussi que c'est quelqu'un qui aura envie de passer plus de temps avec vous, mais parce que la disponibilité que vous avez l'un pour l'autre, elle n'est pas assez suffisante, que ce soit de votre côté ou de son côté. On me dit que c'est quelqu'un qui vous aime de tout son être, c'est un amour, cet amour il est éternel. On me dit qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui dresse des barrières quelque part, on est en conflit intérieur, donc on essaie un peu de résister aussi. Hein. On me dit en tout cas il y a un lien invisible, un destructeur, comme on l'a vu dans une relation karmique. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui a peut-être une famille, qui a peut-être déjà construit une famille, qui a peut-être déjà un foyer, des enfants. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui se... on va se battre, hein, on va se battre pour cet amour, on va vaincre tous les obstacles, on va retrouver un équilibre. C'est quelqu'un qui vous promet que vous ne manquerez de rien, qui sera généreux, mais on sent qu'il y a une énergie tierce entre vous. Il y a une personne qui s'interpose, voilà, on a besoin de serrer l'autre contre ses bras, on a besoin de chaleur. C'est quelque chose, on le voit, hein, c'est une passion, même s'il y a une tierce entre vous. De quoi on parle? Donc pour le moment, on parle plus de relations à distance. Hein, bon, c'est pour ça que vous prenez que si ça résonne. Donc là, pareil, avec un autre oracle, on me dit bien que vous communiquez, vous dialoguez avec quelqu'un qui est à distance de vous. Vous avez peut-être envie de rejoindre cette personne. On me dit qu'il y a une décision qui sera prise par rapport à un divorce. Donc il y a sûrement quelqu'un qui est engagé, comme on l'a vu. Hein. On me dit qu'on va résoudre ces soucis si on a une tierce qui vous empêche d'aller l'un vers l'autre. On me dit qu'il y a une réussite sur un engagement, on pourra s'engager avec cette personne, on a peut-être peut-être aussi un engagement d'âme. On me dit que voilà, il y a quelque chose qui est négatif sur un foyer. On me dit que rien ne va plus dans ce foyer. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a même consulté une voyante. On me parle d'écouter votre intuition sur cette personne qui vous bloque. Hein, il y a quelqu'un qui vous bloque dans une avancée. Parce que pour le moment, c'est la poisse, mais vous faites un duo de choc, c'est quelqu'un avec qui il y a une relation physique, et on me dit que vous allez réussir à sauter les obstacles avec cette personne. Bon. Donc, je pense que votre amoureux ou votre amoureuse est peut-être engagé et peut-être à distance. De quoi on parle d'autre? On me dit que c'est intense, hein, pour vous, c'est une évidence, c'est comme il y a une chimie. On me dit depuis le début, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a, c'est possible, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants. On parle aussi que c'est une passion, c'est votre âme sœur. On me dit bien que vous êtes dans une union parfaite, mais voilà, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Mais on est en miroir, c'est-à-dire que si l'un agit, l'autre réagira, tout simplement. On me dit aussi, donc si on se désengage, par exemple, parce qu'on est en couple, la personne en face de vous ne vous laissera pas tomber. On me dit aussi qu'on communique, hein, on s'envoie des messages. On me dit qu'on c'est quelqu'un qui vous procure de grands frissons, et réciproquement. On voit une féminine plutôt coquette, élégante, qui est déjà ancrée. Hein, bon, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est... On voit une femme aussi qui est très en colère. Ça va procurer une femme qui peut être colérique. Voilà, on trouve ça injuste parce que voilà, il y a quelqu'un qui est déjà ancré. On parle de quelqu'un qui a une apparence, la féminine, c'est peut-être vous. Hein, on parle de quelqu'un qui peut faire très attention à son apparence. On me dit aussi, par rapport à cet ancrage, oui, elle a beaucoup de colère parce que c'est très instable aussi. On me dit parce qu'il y a beaucoup de doutes. On me dit que quoi qu'il arrive, il y a une connexion entre vous. On parle de complicité, de synchronicité. On me dit que vous êtes dans un amour véritable. Hein, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Et c'est énormément de tentations entre vous. Mais voilà, on peut stresser énormément, avoir une tension interne là parce qu'on est obligé de faire une sorte de stratégie, de manipuler quelqu'un pour se voir. Bon, donc on est vraiment voilà, dans une énergie tierce, hein, on l'a bien compris. De quoi on me parle d'autre pour vous les vierges? Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu le professionnel. Professionnellement. Alors, vous voyez, il y a une chance pour vous. Donc, professionnellement, il y a quelque chose. Un peu par magie, là. D'accord? Donc, je pense que tout est possible. On me dit, par contre, voilà, il ne faut pas avoir peur. Alors, avec la Rémanta, il faut rester humble. Quoi qu'il arrive, professionnellement, on vous dit aussi que si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas tout savoir et ce n'est pas grave.
Donc voilà, il y a peut-être une chance à saisir et vous avez peur, vous êtes, comme on vous l'a dit au départ, hein, vous avez peut-être vous avez peur d'être dans l'illusion, il va falloir vous confronter à ces peurs. Et pour moi, vous devez saisir une chance hein, pour vous professionnellement. Vous ne pouvez pas tout savoir et c'est pas grave. Et il n'y a pas de honte aussi de demander l'aide des autres. De quoi on parle? On me dit qu'il y a quelqu'un qui a un manque de confiance en lui. Hein, vous voyez, on le voit encore. On me dit que vous pouvez aussi avoir une vie personnelle un peu compliquée. Peut-être que vous prenez en charge un proche actuellement. Peut-être que vous avez un fils, une fille, des parents. On me parle que pour moi, il y a un nouveau poste pour vous. Peut-être dans une nouvelle entreprise ou dans la même que vous. Hein. Il y a un entretien qui va être très prometteur. On parle aussi, attention, hein, peut-être qu'avec les chaleurs qu'on a, hein, comme moi actuellement, en pleine canicule, il peut y avoir des orages assez violents, quelque chose, des dommages qui est dû à une météo, des catastrophes naturelles, hein, que ce soit sur votre travail ou dans votre vie privée, sur votre maison, parce que des fois, on ne travaille pas toujours à côté. On parle aussi que vous avez des compétences. On parle que vos compétences et votre talent est reconnu, donc il va falloir... vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations. Vous avez quelque chose en plus que les autres n'ont peut-être pas. Donc voilà, continuez de vous diversifier. Vous avez une petite valeur comme ça. Voilà, vous êtes très compétent. Donc ayez confiance en vous. On me dit que vous pouvez avoir une bonne ambiance dans votre travail. Ça peut être convivial. Il peut y avoir des énergies positives aussi en ce moment. Vous pouvez être très productif. Et on voit bien hein, qu'il y a un contrat. Hein, donc on s'engage. On s'engage, il y a une sécurité financière, hein, il y a quelque chose là, il y a un engagement, on l'a vu, un nouveau poste. Pour moi, vous allez vous engager dans quelque chose où on reconnaît. C'est pour ça que, comme je vous le disais, je pense que le seul problème, ça pourrait être vous qui pourrait bloquer les choses, mais voilà, vous n'êtes pas dans l'illusion, vous êtes capable hein, de créer quelque chose de très beau. Il y a une possibilité énorme professionnellement pour vous. De nouveaux contrats, etc. Bon. De quoi on parle? Vous voyez, on parle encore de votre savoir-faire. Hein. On me dit que vous avez les compétences. Pour certains, ça fait peut-être plus de 15 ans que vous faites le même travail. En tout cas, vous avez une aptitude, vous avez peut-être une longue carrière. On me parle d'un homme, hein, ça peut être vous. On me parle de... voilà, on va célébrer quelque chose. Il y a vraiment une victoire. Hein. Pour moi, il y a peut-être une promotion, comme je vous disais, de la reconnaissance en tout cas, un gain financier, une augmentation, un avancement. Peut-être que voilà, il y a quelqu'un qui a. Vous allez remplacer quelqu'un. Il y a peut-être une passation de pouvoir, comme on dit. Enfin, peut-être quelqu'un qui a arrêté pour X raisons, qui est parti à la retraite, qui a eu quelqu'un qui a démissionné, qui avait abandonné, qui avait. Voilà, il y a eu un départ négocié. Et je pense que maintenant, vous pouvez. Je pense qu'on va peut-être vous proposer la place d'un nouveau dirigeant. C'est fort probable, puisque. Voilà, vous allez remplacer quelqu'un, en tout cas, il y a une promotion pour vous. D'accord? On parle d'un moyen terme, hein, dans les 6 à 9 mois, la proposition peut se faire, ou peut-être que ça va commencer par un CDD, et qui va se transformer peut-être dans un CDI. Bon, en tout cas, on va vous faire une proposition. Vous en êtes capable, hein, c'est une chance, à vous de la saisir maintenant. D'accord? Donc, de quoi on parle d'autre pour vous, amis vierges? Bon. Vous voyez, on sent qu'il y a quelqu'un qui sent peut-être, qui se sent seul, qu'on soit seul parce qu'on attend quelqu'un qui est engagé ou qu'on soit donc réellement seul, hein, ou peut-être qu'on est engagé, qu'on se sent seul, même si voilà, on est accompagné. On me dit que peut-être que cette personne qui se sent seule peut se sentir coupable par rapport à quelqu'un. Quoi qu'il arrive, si vous sentez coupable dans une situation, on me dit que vous pouvez compter sur vos amis. On me parle qu'il y a bien le retour de quelqu'un, quelqu'un qui est déjà peut-être engagé, qui est déjà sous contrat et qui a peut-être même une famille, peut-être des enfants. On me parle d'un homme qui, par rapport à ce que... un homme, une femme, hein, là on voit un homme, quelqu'un qui peut démarrer certains de nouveaux projets. On me dit que c'est quelqu'un... il y a une protection hein, sur cette personne, sur cet homme. On me parle aussi qu'il y a un verdict dans votre maison, donc il y a bien quelque chose qui va être annoncé, c'est une chance pour vous. Donc, vous voyez, il y a une chance à saisir, hein. C'est vraiment ça du début jusqu'à la fin. On me parle aussi voilà, qu'il y a peut-être quelqu'un avec qui pour le moment on n'a pas la même projection, hein, mais il y a peut-être eu même une séparation entre vous. Mais pour moi, il y aura une victoire après pour vous, d'accord? Donc rien n'est définitif, c'est aussi quelqu'un peut-être qui doit se séparer, c'est peut-être vous,
peut-être un des deux qui doit se séparer, mais c'est pour ça que pour le moment, on n'est pas tout à fait dans la même projection. Mais il y aura une victoire. Pour moi, vous allez vous aligner après. Bon. Donc voilà tout ce que j'ai vu pour vous, amis vierges. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Je vais vous tirer. Alors, je ne vais pas faire de tirage au choix, puisqu'il fait très chaud, comme je vous ai dit, avec la canicule. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues, à titre exceptionnel. C'est un peu compliqué. Je sens déjà que je ne vais plus pouvoir continuer très longtemps. Ça va me mettre un petit peu de retard, mais voilà, je n'ai pas trop le choix. Donc, sinon, je tombe dans les pommes, donc aucun intérêt. Donc, je vais vous tirer quelques petits messages de l'univers. Hein. On montre le chiffre 5. Alors, vous avez beaucoup de messages à entendre, amis vierges. Donc, je vais vous dire 5 messages qui sont pour vous. Allez. Pourquoi pas ose? Et c'est tout à fait ça. Il va falloir oser. Je pense qu'on va vous proposer quelque chose d'intéressant. Et je pense que vous manquez de confiance en vous. Hein. Bon, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, je vous ai dit entre 5 et 9 mois. C'est peut-être que ce n'est pas pour tout de suite. Mais il va falloir franchir le cap, on me dit. Ça peut être autre chose que professionnel. Là, j'ai le professionnel en tête. Prends du recul. Alors, vous voyez, ça vous parle plutôt professionnel ou sentimental. Et une dernière pour vous, pour les vierges, s'il vous plaît. Ça va marcher même si tu doutes. C'est exactement ça. Il y a des choses qui vont fonctionner pour vous, même si vous doutez, que ce soit sentimental ou professionnel. Vous n'avez pas confiance en vous, hein. Mais il y a de belles choses, hein. Franchement, il y a de belles choses que vous avez le pouvoir de créer un beau destin, hein. Tout ce que vous désirez. Allez, je voudrais un petit message pour mes amis vierges avec le livre Oracle de Mathilda. Donc, du 1er au 15 août, même si ça reste, voilà, si c'est, ça reste une énergie, hein, que ça n'a pas commencé du 1er au 15 août, vous avez bien compris. Allez, pour les vierges qui me regardent, un petit message du 1er au 15 août. Alors, on vous dit qu'avec un nouvel amour qui est peut-être arrivé dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, soyez authentique, tout va bien. Voilà, soyez authentique. De quoi on parle? On me dit quelqu'un gâche la situation. Bon, donc à vous de voir comment ça vous parle et quand vous que ça peut résonner, si ça résonne bien évidemment. Donc voilà, amis vierges, je vous souhaite de belles vacances, hein, si vous êtes en vacances, entre autres. Une belle journée, plein de belles choses. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a parlé. Pensez à mettre un commentaire aussi, pourquoi pas, ça me fera énormément plaisir. Hein. Et de vous abonner, ce n'est pas déjà fait. C'est votre façon de, voilà, de me remercier pour le travail. Donc voilà, c'est votre façon. Alors, il y en a voilà, qui s'abonne et c'est déjà beaucoup hein, quand on a une chaîne. Donc, je vous remercie à tous pour vos abonnements, vos messages, etc. Et bien évidemment, je reste disponible en guidance privée. Donc, vous pouvez m'envoyer un message par mail et je vous répondrai le plus rapidement possible si vous avez envie de savoir pour votre situation personnelle. Là, vous êtes sûr que ça résonne du début jusqu'à la fin. Alors, je propose différentes choses. Donc, il suffit de m'envoyer un mail, je vous répondrai. Et je vous expliquerai comment je fonctionne le plus rapidement possible. Le mail, il se trouve dans la description de la vidéo. Et je le rajoute en premier commentaire épinglé, puisque certains ne le trouvent pas. Donc voilà. Et je vous embrasse. Portez-vous bien. Et à très vite donc pour vos vidéos du 15 au 31 août. Avec des nouveautés. Allez, à bientôt.